Manicouagan se réveille de sa grandiose torpeur. Lentement, les formes se dégagent et la marque de l'homme imprime sa présence sur la terre rebelle. Aux prises avec la nature, l'homme l'enserre dans un carcan. Dans la langue indienne, Manicouagan veut dire la source où l'on s'abreuve. Terre à la fois prometteuse et sauvage. L'homme s'y installe avec ses muscles et son cœur, avec ses armes et sa foi, avec sa modestie et ses rêves journaliers. Il s'y installe pour y gagner sa portion congrue. Pour lui-même sans doute, pour sa famille, peut-être pour rien, parce qu'il est homme. Est dur, mais l'homme peut faire éclater le granit de Manicouagan, la terre la plus vieille du monde. À la ville, le cerveau compile, discute, la machine brasse des données, l'esprit va dominer la matière. La redoutable machine va tailler la montagne, refouler 115 millions d'acres de pieds d'eau. Et dans ce bouleversement qu'il dirige, l'homme dresse un mur de 703 pieds de hauteur. Les roues tournent au signal de l'homme. Comme autant d'animaux savants, les machines exécutent leurs mouvements aveugles. Mouvements insolites, somnambulesques. Comme autant de molosses déchaînés, elles broient, écrasent, avalent, charrient, déplacent, bouleversent. Toute docile, la bête mécanique obéit à l'homme sorcier. Et la terre aussi doit se soumettre, curieusement abondante. Et tous les matériaux du barrage, l'homme les lui arrache. Innombrable, l'homme se répand partout. À chacun sa tâche, à chacun son signe, son geste, son métier, et sa foi qui soulève les montagnes. Sans métier. Un seul résultat, le barrage.
accompli à coups de répétition, inspiré comme l'œuvre d'un alchimiste, comme les rites sacrés d'une religion cosmique. La ruche bourdonne. L'ébène, comme autant d'abeilles ouvrières, remplissent les alvéoles, repartent, reviennent, étonnamment légères. 17 bennes passeront ainsi 35 000 fois au-dessus des hommes. Mais leur danse hiératique est réglée. L'homme est là, étrangement modeste dans son métier de bâtisseur. Il est à la fois fort et faible, grand et petit. Dans son œuvre titanesque, tout est cependant à la mesure de ses bras, de ses mains. Et quelle que soit sa tâche, la réalité le transfigure. Labeur parfois ingrat, pénible, mais on ne mesquine pas parce que l'équipe vous entraîne, vous soutient, redouble vos forces. Le travail avance, les résultats se dessinent, et c'est ce qui compte. À quoi bon philosopher sur le travail? La réalité est une, avec parfois sa dose de courage qu'on ne mesure pas. Tout le reste fait hausser les épaules. Son antre du mont Etna, le dieu Vulcain battait le fer. On a beau vivre à l'âge atomique, les métiers restent les mêmes essentiellement, même si les héros sont disparus, remplacés par des hommes de chair et de sang, liés entre eux par leur liberté et leurs rêves, liés volontiers aux décisions du chef, du contremaître, de l'ingénieur, du gérant. Thank you.
Les jours passent, le soleil se lève et se couche. Les hommes travaillent puis se lassent. Ils relâchent la chaîne de l'effort et redeviennent des individus avec leurs passions, leurs joies, leurs enthousiasmes virils. Car il y a la femme, les enfants, l'amour, la tendresse, le jeu, les copains, d'autres liens, comme une autre chaîne plus subtile, discrète, rattachée au cœur de l'homme, et dont il chérit le poids. Comme un état de grâce, de douces images traversent son geste, lui apparaissent, bienfaisantes et fraîches, durcissent ses muscles et essuient son front. L'homme se donne tout entier à son métier. Et cependant, au milieu du geste le plus attentif, le plus précis, d'invisibles présences veillent. Un million verges cubes de béton ont été coulés. Une étape est franchie. Une victoire intime pour chacun. Ce qui fait que les hommes deviennent des héros, c'est qu'on les raconte. Dans le quotidien, ils n'ont pas d'histoire. Leur mouvement n'ont de sens que dans l'immédiat. Les héros, ce sont tous ceux qu'on encadre. Ce sont ceux que l'on crée à distance, au bout d'une plume ou d'une lentille. Rien au monde n'est plus immobile qu'une machine au repos. Elle semble figer le temps autour d'elle, vider l'espace, paralyser le ciel. Les hommes eux-mêmes semblent atteints par un immense vent d'ennui. L'ennui du dimanche, comme si le décor familier et vivant avait perdu son âme. Thank you.
il y a le travail, la bataille, le défi. La nature est une force sauvage, turbulente et rusée, formidable et impitoyable. Il faut la dompter, l'apprivoiser. L'objectif, le barrage de 703 pieds de hauteur et de 4200 pieds de longueur. Il faut jongler avec les chiffres, faire tourner les moulins à prière qui prédisent l'avenir, charrier le béton et encore du béton, le verser et l'étendre, le taper, recommencer, monter plus haut. Il faut être spécialiste pour comprendre. Il faut avoir construit les pyramides ou Notre-Dame de Paris. Le barrage de Manicouagan, les hommes l'ont porté sur leur dos, l'ont pétri de leurs mains. Ils le sentent dans leurs bras, dans leur nuque, dans leurs reins. Manicouagan, il y a 20 fois plus d'hommes que de femmes. Hors du travail, c'est encore le défi, les gestes qui marquent l'absence, les pensées qui sont des ersatz, les muscles impatients. Thank you.
Panique Ouagan, épopée anonyme, répétition pour un spectacle, tour de Babel commandé, jeu de fourmis. Manique Ouagan, réalité d'un mythe étrange ailleurs.